auditions ont eu lieu en septembre dernier dans un studio à Los Angeles qui s'appelle East West. C'est là qu'on a fait une bonne partie des batteries, des, entre guillemets des grosses batteries, assez rock, tout ça. Et on a fait une autre partie dans le studio perso de, d'Anthony Gonzalez. Et là où c'était plus pour jouer justement des balades ou des choses plus avec un son plus vintage 70s sur ma Lenvig Ringo 65, dont je suis très fier, qui sonne très bien. Je travaille mon son pas forcément dans le changement d'éléments en fait. Ça va plus, c'est plus dans la dynamique ou dans l'accordage, plus que dans le changement justement de passer d'une crash de 18 à une crash de 19 sur le même modèle, ou pas tellement là-dedans, plus justement plus sur la tension de dépôt en elle-même, puis après vraiment dans la dynamique nerveuse des mains, des bras, des jambes. L'état des démos est assez avancé au moment où j'arrive. Il y a beaucoup de parties de batterie qui sont écrites, certains breaks qui sont très importants, mais qui sont la signature du morceau par moment, sont déjà écrits par lui, par Anthony. Et donc moi je rejoue avec ma patte, oui. Mais effectivement, l'avancement des démos est quand même, c'est déjà là quoi.